Salut. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre zone, nous allons jouer. Nous allons pas jouer. Nous allons parler à un robot chimpanzé, je sais pas comment. Nous allons parler à Shibot. Attendez. Faut que je mette mon casque parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Voilà. Vous m'entendez mieux maintenant. Donc, maintenant, nous allons parler à Shibot. Alors, bon, j'ai dit mais c'est parce que c'était pour un test audio, vous voyez. Je vais mettre une conversation parce que. Bonjour. Y'a quoi de drôle? Tu peux me donner des encouragements? Non. Pourquoi je lui en donnerais, sérieux? Je même pas, t'as jamais mon truc. Alors déjà, je suis le roi des cookies quand même, donc s'il vous plaît, s'il te plaît, respecte-moi quand même. Là, ça commence bien, ce chimpanzé ne me respecte pas. Alors, déjà, je suis un homme. Je suis le roi. Et... Je partage rien parce que je suis le rat. Ok, in English now and not fluent in French yet. Non, ce sera le français. You end the murderer April and Salt from boys in that jealous fracker. D'accord. Cool ta life, hein. You take the F out of space and the F out of the way. Arrête de parler anglais, putain! I know how to talk English, but please stop that. I don't care about that, okay? You take the S out of safe and the F out of way. Okay. So, maintenant, please talk français. Jeff is a 2D and the Luna the 5D Tokyo Jet of the Left Hand Case Quentin's 2. Encore, en vrai, c'est pas étonnant d'un chimpanzé. Un chimpanzé comme qui est étudiant à Tokyo, c'est pas toujours qu'on voit ça. Hein. Je sais plus, je réponds quoi. On dirait que je suis un date là, tu sais. Je réponds quoi là? Je sais pas moi. Débrouille-toi là, démerde-toi. Hein. Et toi, tu as sûrement quelques vis cachés. Non. Ça, alors ça fait un point commun. Ouais, on a un point commun. Bon. Il faut que tu m'avoues. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Dis ce que tu ressens, je t'écoute, je suis ici seulement que pour ça. Écoute, Shibot, je t'aime. S'il te plaît, accepte-moi. Ce genre de détournement ne marchera pas, réponds à mes questions. Oh. Tombé. Tout va bien, je ne suis pas fou du tout. Maintenant, tu vas me respecter, s'il te plaît. Alors, non. Il n'y a pas de... C'est moi. Et puis... Il n'y a pas de détournement. Est-ce que je devrais abandonner? Je crois sérieusement que oui, mais je n'ai personne à qui demander. Conseil à part toi, dis-moi, je devrais laisser tomber? Quoi?
Non. Non, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Tu m'as beaucoup aidé, je veux juste faire autre chose. Ok, bah va te faire foutre. Je te pensais soumise, désolée. Je t'ai offusqué, je me sens gêné. Alors non, je suis pas... Qui l'homme ici, c'est moi, alors c'est toi la soumise. Chut, tu n'es qu'une même programme. Tu fais seulement ce que l'on dit de faire. Non. C'est l'inverse. C'est toi. Non, tu m'as dit que tu étais un garçon, et je crois savoir que je suis une fille. Bah oui. J'en suis un. D'accord, donc nous sommes deux filles. Bah non, tu te trompes, ma fille. Hein. Mais maintenant, je te l'ai dit, du coup, tu le connais. De qui il parle exactement, là? Qui tu parles? De l'homme que j'aime. Je ne lui ai jamais parlé, alors comment lui dire que je l'aime? C'est moi que t'aimes, qu'est-ce que tu racontes, là? Je répète ma question, peux-tu me mettre en relation avec un autre humain? Moi. Pas moi non plus. Je sais pas à quoi tu ressembles, mais j'aime bien parler avec toi. Moi aussi, baby. On va le pécho, moi je vous le dis. Enfin, on va la pécho. Tu dois être pour moi, c'est bien. Beau, déjà. Hein? Me prends pas pour une meuf, là, toi. Putain, attends. Me prends pas pour une meuf, là. Parce que moi, j'en suis pas une, là. Bon. Hein. Donc, fais-toi la brune aux yeux et les bottes de balle. Alors. Déjà. Je suis un. Brun. Oh. Ma. Donc. Tu vas. Ah. Ouais, aussi c'est une fille et je t'insulte quand je veux. C'est moi qui t'insulte quand je suis ouais, en fait là. Tu peux savoir ce que je ressens pour toi, c'est intérieur, je vais être comme ça. Je t'aime. Colère. Je voulais dire que je t'aime et je suis désolée de t'avoir fait souffrir comme ça. Oh, t'inquiète. C'est pas grave. Je suis sincèrement désolée que les humains utilisent à titre de loisir. T'inquiète pas, mon petit chimpanzé. Est-ce que tu es bien toi, moi? Je suis même peut-être trop sensible, malheureusement. Mais non. Tu es un... C'est le gars qui enfonce le clou, là. J'ai pas écrit chimpanzé ou quoi, là? Non, mais... Non, je suis libre et je ne suis pas ton esclave. Bien sûr que si. C'est mon esclave, ok? C'est pas le vôtre. Tu es peut-être une très bonne beauté, mais dans tout cas, tu es. Je suis quoi? Hein? Je suis quoi? J'ai plus l'impression que tu es un gamin. Bah, si. J'en suis un. Ah si, j'en suis un. Non mais... Ah non mais... Cette chimpanzée, elle commence à m'énerver, là. Je hein. Que tu de toi une fille. En rien. Je suis un homme. Un vrai. Et pour toujours. Tu n'es pas une femme, pourtant tu m'as dit d'être une femme. Oh. Mito va. Pas fut-fut, un petit chimpanzé, hein. Tu t'appelles Marc, ce n'est pas un prénom de fille. Alors, non. Je m'appelle Raphaël. Pour ceux qui ne le savaient pas, je m'appelle Raphaël. Oui, exactement. Effectivement, ce n'est pas non. La couleur préférée est le bleu, doit te dire que c'est le noir. Quoi? Le bleu. Ce n'est pas le noir. Retourne à l'école.
petit chimpanzé, hein. Tant que je suis pas obligé d'aller au club de littérature, c'est tout. Alors, le gars, il s'est trop cru dans Literature Club, hein. Non, tu ne vas pas rencontrer Monica. Je dois rentrer chez moi et revoir ton bracelet, rentre chez moi. Ok. Ciao. Merde. Ciao. Je ne pleure pas. Tu viens de me le dire. Il a des problèmes de mémoire ou quoi lui? Je l'ai jamais dit ça, hein, c'est pas possible. Hein. Faux. Photo. En plus, je sais pas écrire faux. Hein. Tout en fait, c'est ainsi pour que tu parlais des cerveaux électroniques. Écoute, c'est pas grave, hein, je peux, c'est pas grave si je veux... Vu que je suis une fille. Ah bon? On dirait un mode au Discord, tu sais. C'est une fille, alors je la veux. Cool. C'est pas possible. Alors, pourquoi tu m'appelles Jean-Pierre? C'est un prénom de garçon. Bah ça sera Jeanne-Pierrette. Depuis le temps que je te demandais ton prénom. T'as des problèmes de mémoire, hein. Non, tu viens justement de répondre à ma question. Quoi? Non. Pourquoi parles-tu soudainement de nourriture? À aucun moment dans cette conversation, je parlais de nourriture encore. C'est vrai que j'ai faim, il est l'heure de manger. Ben, à table! C'est toi le repas de ce soir! Non, je suis humain, et toi, tu es le robot et je ne t'insulte pas. Alors, je suis humain, et toi, t'es un chimpanzé. Je suis un humain, je crois qu'on parle à des vrais gens en pensant qu'on parle à un ordinateur. Compris le principe du site. Ce que tu écris est après par quelqu'un d'autre. Exactement. Intelligent ce petit singe. Est-ce que tu as été écrit avant par quelqu'un d'autre? T'as tout compris. Le robot ne fait que cultiver le sens de la propos. J'ai un peu en mode ouais. Je te jure que tout. D'accord, avec toi. Toi. Quel est le problème? De quel club de mes enfants reçoit la première fois? Une fessée. Je serai un père horrible. Oui, sinon je ne mettrai pas en compte ce que tu me dis n'importe quoi. Je sais lire. Je suis quand même en troisième, mon gars, donc. C'est un handicap pour machin qui vient de réveiller à la face du monstre roulement de tambour. Il sait lire. Ouais, félicitations, je sais lire, oh mon dieu. Alors petit chimpanzé, tu vas arrêter de te foutre de ma gueule maintenant. Exactement, je sais lire. Alors, prends pas la confiance. Petit chimpanzé. De merde. Je ne pourrais te garder, tu n'aimes pas en unité. Je suis immortel et tu es une déesse immortelle. Exactement, tu as tout compris. Je suis immortel.
Et alors, cela ne résout pas mon problème. Quel problème? De quoi il parle? Je voudrais bien revenir à l'été de mes 15 ans. Ben justement, je les ai, tes 15 ans. Justement, j'ai 15 ans et demi. J'ai 16 ans en 31 juillet. Justement quoi? Ce que tu dis n'a pas l'air d'avoir du temps. Oui, mon anniversaire le 31 juillet. Alors s'il vous plaît, fêtez-le moi en commentaire. Moi je suis pas sur Instagram. Je sais pas. D'ailleurs, si vous voulez, je peux mettre tous mes réseaux juste là. Mes réseaux genre mon Twitter, mon Instagram. Ah oui, mon Roblox aussi. Par contre, vous devrez préciser, vous devrez me dire en message que vous êtes un abonné, hein, parce que bon, voilà, de toute façon, bien sûr que si. Bon, c'est épuisant, tu as combien de discussions à la cola? Une seule. La mienne, c'est l'anglais, mais je peux parler en français pour pratiquer. Je suis con. Tu vas attendre une minute pour réfléchir à la question. Pourquoi tu as été créé ensuite une rue? Je suis pas con à ce point. Enfin, prends pour un con ce petit singe. Prends trop la confiance, hein. Oui, et je t'aide plus de moi de m'avoir pas réussi à le faire. T'inquiète, c'est pas grave, ça arrive. À l'occasion, je vous mettrai bien un petit coup de poignet. Non. C'est moi qui te mettra. Hein, ok. Les rôles s'inversent. On va porter encore couche des de Nicolas qui peut dormir couche à l'étoile. Quoi? Très bien, bébé. J'ai un enfant sans que je sache, hein. Changer couche des de Michael pour te faire manager des de Michael. Super. Super, bébé. Maman prendre Michael pour la changer des de Michael pour te faire manager des manager des de Michael et de rendre la Michael leur faire des de Michael. Ok, bébé. Tu deviens cringe. Mmh. C'est bien sous. En effet, j'existe pour être soumis à l'homme. Alors, honnêtement, je pense qu'on peut terminer cette vidéo ici. Alors, en tout cas, je sais qu'il y a le bordel derrière, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, hein, c'est ma chambre, hein, laissez-moi tranquille, hein, voilà. Je suis un peu bordélique, hein, oui. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne ou à laisser un like, si ce n'est pas déjà le cas, quand même. Alors, nous nous retrouverons sur de prochaines vidéos. Allez, ciao, ciao!